Donc, bonjour, bienvenue sur Scooter et Mec à boîte. On est le 21 avril et 2h du matin. Vous avez trouvé cette rush un peu différente par rapport à toutes les, intros, à toutes les autres intros de vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis blasé. Actuellement, je suis blasé. Ça fait maintenant quelques jours que la 89 j'ai résolu mes problèmes de moteur. J'étais content parce que j'avais résolu mes problèmes d'allumage déjà avant de résoudre les problèmes de moteur. Je pensais que j'allais me retrouver avec un véhicule fiable. J'ai un nouveau problème. J'ai plus d'éclairage. J'ai plus de klaxon. C'est génial. À savoir que l'allumage est neuf. Tout le bloc allumage est neuf. Euh, toute la partie stator, euh, baston, euh, régulateur et CDI. Bon. L'éclairage n'a rien à voir avec le CDI. C'est soit le régulateur de tension, soit la bobine d'éclairage, ou éventuellement un fil qui a pété, puisque j'avais été obligé de rallonger les fils, puisqu'on nous vend un allumage, soi-disant ça se monte sur les AV7, sur toutes les AV7, en l'occurrence AV89 et ce n'est pas le cas. Puisque sur les AV89, on est obligé de coller le CDI et le régulateur euh, en dessous de la boîte à outils, et que du coup on se retrouve avec des câbles qui sont trop courts. J'ai plus d'éclairage. De toute façon, j'ai plus de, de klaxon. Donc, les, ça aurait été que l'éclairage encore. J'aurais pu dire bon ampoule. Même si en l'occurrence, c'est l'avant et neuf. Mais j'ai également plus de klaxon. Donc, plus de lumière avant, plus de lumière arrière, plus d'avertisseur euh, sonore. Il n'y a plus d'alimentation de 12 volts du coup je vais euh, devoir là il est 2h du matin, je le fais là parce que très clairement euh, j'ai pas envie de sortir demain déjà et lundi j'ai une voiture sans permis à faire et il faut qu'elle roule il faut qu'elle soit opérationnelle rapidement, il faut que pour le 25 mai au plus tard elle soit roulante et fiabilisée donc je vais démonter carter latéral côté allumage j'ai déjà checké tout ce qu'il y a au niveau faisceau électrique, voir si j'ai pas un câble de pété L'idéal aurait été que je descende le rotor d'allumage, mais à 2h du matin, je vais éviter parce qu'il faut que je puisse retester après, bien entendu. Le problème, c'est que là, à 2h du matin, je suis en HLM, juste au-dessus là. Là, il y a la salle à manger de chez mes parents, et à côté, il y a la chambre de mes parents. Pour monter l'allumage, je suis obligé de taper dessus pour pouvoir le, le verrouiller. Il aurait été clafté, euh, encore, ça aurait été différent. Ce n'est pas le cas. Euh, du coup, euh, bah, je vais démonter ça. Et si je trouve la panne, bah, je vous dirai. Alors je vais essayer de... Pour faire les tests, voir si ça fonctionne, je ne vais pas la mettre en route parce que là, 2h du matin, vu le bruit café, c'est même pas la peine. Pour ce faire, je vais démonter la batterie. La batterie, la bougie. Je enclencherai l'éclairage. Et euh, je mettrai un coup de pédale de façon à voir si l'éclairage s'allume. Mais... Pour moi, ça. Pour moi, je pense qu'il y a peut-être un problème quand même, soit sur une bobine, soit sur un, un soit sur le régulateur. Donc par chance, j'ai récupéré il n'y a pas longtemps un kit allumage de moto Bécan 51. Je crois que ça venait d'une 51 Club. Je dis peut-être des conneries. Euh, <coughs> le problème, c'est que c'est de l'occasion et je ne sais pas si ça fonctionne, vu que je l'ai récupéré comme ça. Mais j'ai régulateur, CDI et euh, allumage. Donc on verra bien. Au pire, si ça peut déjà me dépanner, comme ça, je reco si, comme ça, si je trouve la panne, je commanderai la pièce qu'il faudrait. Je sais pas, Si c'est la bobine d'éclairage, je sais pas si ça se vendra. Euh, à part, on verra bien. Mais pour moi, je pense pas qu'il y ait un truc de cramé. Il est neuf. Certes, ça fait un bout de temps qu'il a été monté, mais la 89, j'ai quasiment pas roulé depuis que l'allumage a été changé, puisque j'ai eu des problèmes de carburation et après des problèmes de moteur. Donc maintenant, je sais que mon montage Réglage et tout est bon. Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à fiabiliser, à fiabiliser tout ça. Et ça va pas être du gâteau. Donc, ben, ça pue du cul. Excusez-moi l'expression. J'ai changé le régulateur de tension. Toujours pareil, pas d'éclairage, pas de klaxon. Euh, là, je viens de changer la, la bobine d'éclairage. J'ai pris celle de l'autre allumage que j'ai. Mais bon, ça reste de la pièce d'occasion. Je ne peux pas être sûr. Le, c le régulateur, j'ai quand même un doute quand je prends euh, multimètre en ohmmètre sur 20k. Le celui 9, euh, j'ai aucune valeur qui se met, ça reste à zéro. Enfin, ça reste à zéro. Le, il, il reste sur chiffre 1 en fait, il, il monte pas. Et quand j'essaye l'autre, ça fonctionne. Encore une fois, c'est de la pièce d'occasion, je ne peux pas être sûr. Euh, en tout cas, j'ai pris au volant magnétique avec la bobine d'éclairage d'origine de l'allumage 0V. Il y a 0V qui sort. Là, euh, du coup, je vais essayer de verrouiller l'allumage comme je peux. Je ne pense pas qu'elle va tourner correctement parce qu'il y a une chance sur deux que l'allumage il, il se décale au serrage parce que ben, normalement, il faut taper au marteau dessus. Sauf qu'il est plus de 2h du matin, je ne peux pas taper à cette heure-là. Je teste comme ça. Si je vois que ça fonctionne, je saurai ce qu'il faudra que je commande tout euh, à l'heure j'ai testé juste avec le régulateur j'avais que dalle, bah, avant de démonter le volant magnétique euh, enfin le rotor d'allumage j'avais pas de lumière, pas de klaxon, rien je ne pense pas que ça vienne du faisceau de la 89 parce que de toute façon il n'y a qu'un seul fil d'alimentation et il est fonctionnel donc euh, après ça ne veut peut-être pas dire grand chose euh, mais euh, ouais, ça me paraît bizarre faut que je reteste, j'ai deux fils jaunes sous, la, sous le réservoir et j'avais déjà eu le problème avec un qui avait cassé. Mais euh, je pense que je vais, euh, là je vais déjà tester, voir si ça marche. Si ça marche, la panne est trouvée. Si ça marche pas, la panne n'est pas trouvée. Et dans ce cas-là, je remonterai la bobine d'éclairage, bien entendu. Mais euh, ouais, c'est, euh, ça me casse les couilles parce que j'ai, voilà ça peut pas être euh, le bouton d'éclairage parce que même le klaxon ne fonctionne pas. Donc, euh, et ça c'est mis à me le faire d'un du euh, seul coup comme ça. Je suis parti avec, ça fonctionnait, je l'ai éteinte, ça fonctionnait encore quand je, euh, je l'ai éteinte. Et euh, après en repartant, ben, comme de par hasard, plus d'éclairage, plus de klaxon, plus rien. Alors, ça me paraît très bizarre que les ampoules aillent griller et que le, le klaxon aille griller. Ça me paraîtrait un petit peu suspect, mais de toute façon, euh, je vais regarder voir ce que ça donne. Et dans tous les cas, euh, bah si pour vraiment être sûr, je redémontrerai le phare avant. Pas ce soir parce que là très clairement, ça me saoule et je suis à deux doigts de péter une durite. Mais je referai des tests demain avec multimètre branché à la place de l'ampoule d'éclairage si je vois que j'ai un voltage qui monte. <laughs> bah tant mieux. C'est que ça veut dire que les ampoules ont cramé. Bon, après, celle d'arrière, hein, je pourrais comprendre, c'est l'ampoule d'origine d'époque de la 89. Elle n'a jamais été changée depuis 94. Mais celle avant, c'est moi qui l'ai changée. J'ai mis une ampoule halogène. Donc normalement, euh, non. Mais euh, ouais, je vous avoue que là, ça commence à me chauffer quand même. Et autre chose que je peux essayer de voir quand même, euh, avant de me faire chier à contrôler au niveau du faisceau électrique et tout ça. Mais pour ça, il faut que j'aille accès au Kinko, que je récupère la batterie et que je branche l'éclairage le, le, en batterie pour voir si, bah, si ça marche. Si ça marche, bah, la, le problème va se trouver entre le stator d'allumage et le régulateur de tension. Donc, euh, je recommanderais un, un régulateur puis un stator. Hein. Mais bon, c'est neuf, donc ça me ferait un peu chier. Donc, on verra bien. J'étais content parce qu'elle marchait bien niveau perf et tout. Euh, je peux vous dire la VMAX qu'elle a pris, elle a pris 66,3 km/h sur l'application euh, euh, Grid Speed. Donc euh, la vitesse de pointe est plutôt pas mal pour un petit moteur AV7. Mais euh, le problème, moi, ouais, c'est que j'ai un problème euh, bah, j'ai un d'éclairage et de klaxon. Donc euh, tant que j'ai pas résolu ce problème-là, bah, très clairement, je suis baisé. Donc j'ai retrouvé l'éclairage avant et le klaxon. Par contre j'ai plus de lumière à l'arrière, l'ampoule est morte. Là actuellement j'ai la bobine d'éclairage euh, du de l'allumage d'occasion, le, le régulateur d'occasion. Je l'ai enlevé parce que j'avais de la lumière et du klaxon, mais par contre j'avais de la lumière super faible, genre 6 volts. Alors s'il y en a qui peuvent me dire, ah, attendez, faut que je le trouve, faut que je retrouve où je l'ai posé du moins. Dites-moi si vous savez si ces régulateurs, comme ça, là, chez Motobécane, ont été faits en 6 et 12 volts. C'est la question que je me pose. Parce que je sais que chez Peugeot, il y a eu du 6 et du 12. Sur les Motobécane euh, MBK, allumage rupteur, je sais qu'il y a eu les deux aussi. Mais ça, je ne sais pas. Parce que quand je mets celui-là, j'ai moins, moins d'éclairage. Quand je remets le mien, j'ai l'éclairage bah, à l'avant. J'avais avant <coughs> le problème, c'est que quand je le débranche, euh, normalement, quand on le débranche, il devrait monter euh, là. Il monte pas, il est tout le temps à la même puissance. Donc, euh, ça se trouve, mon, mon, euh, merde, mon régulateur, enfin, mon régulateur de tension, ça se trouve, il est cramé aussi. De toute façon, je vais commander les deux quand même par précaution. Régulateur de tension, bobine d'éclairage. Enfin, je refais des tests demain avec la bobine d'éclairage d'origine et le régulateur d'origine de l'allumage lotaire. Si je vois que euh, j'ai l'éclairage, le klaxon bon voilà, nickel je la fais accélérer à fond et je regarde si l'éclairage avant l'ampoule pète, si l'ampoule pète c'est pas compliqué c'est que le régulateur fait pas son job par contre si je vois qu'il y a vraiment une couille au niveau de l'allumage je vais contacter la meublette.net parce que leur putain d'allumage ça fait déjà deux fois que j'ai des couilles avec quand je l'ai eu la platine était cassée euh, c'est une galère à installer parce qu'il n'y a aucun fil qui a la bonne longueur. Là, vous prenez les, les fils de l'allumage. J'ai trois, ta... trois longueurs différentes. <coughs> et il y a quatre câbles. De toute façon, je vais tout reprendre là-dessus. Je vais tout refaire au niveau faisceau correctement parce que ça commence gentiment à me prendre la tête. là. D'avoir des couilles comme ça, franchement, c'est saoulant. Et je pense que je vais certainement, re... un de ces quatre, je vais certainement me refaire intégralement le faisceau électrique complet de la 89. Je vais racheter du câble d'écosse et tout. Et je vais refaire tout le faisceau à neuf, parce que franchement, j'en ai vraiment ras-le-bol. Je, franchement, j'en ai marre. Donc sur ce, ben, je vous retiendrai au courant. Je vous dis à une prochaine.